Voici la maison hantée la plus célèbre du monde. Elle se trouve dans la petite station balnéaire d'Amityville, à une heure à peine de l'agitation de New York. Il y a 30 ans, elle fut le théâtre d'un crime particulièrement horrible, quand 6 membres de la famille de Féo y furent abattus en pleine nuit. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste encore aujourd'hui un mystère. Un an après les meurtres, la famille Lutz a emménagé dans cette maison. Ils y passèrent seulement 28 jours et s'enfuirent terrifiés, expliquant que des forces surnaturelles les en avaient chassés. Les médias se jetèrent frénétiquement sur leur histoire, ils devinrent célèbres et furent l'objet d'un best-seller mondial, l'horreur d'Amityville. On en a tiré de nombreux films, dont le dernier en date est sorti en 2005. Des médiums et des enquêteurs ont prétendu qu'une malédiction avait été jetée sur la maison. D'autres pensent que la version des Lutz n'est rien d'autre qu'une astucieuse arnaque, très lucrative, basée sur la sanglante histoire de la maison. C'est probablement la maison la plus hantée du monde. C'est sans doute aussi la plus connue. Quel que soit le phénomène, ça a été une conjonction d'événements et de personnalités. Et ça s'est mélangé pour donner un orage psychique parfait. C'est juste un tissu de mensonges motivé par une raison plutôt simple. Commercialement, ils ont fabriqué une superbe arnaque. Leur version n'est pas une histoire vraie. Mais s'ils disaient que c'est vrai, comment pourriez-vous les traiter de menteurs ? Trop de choses se sont passées pour tout nier et prétendre que tout était normal. Je crois que la véritable horreur d'Amityville, c'est moi. Parce que c'est moi qu'on a condamné pour les meurtres de ma famille. D'après eux, c'est moi qui ai fait le coup. C'est moi qui suis censé être possédé par le démon. Quelle est la vérité sur cette maison? Et est-il vrai qu'une malédiction s'acharne sur ceux qui y vivent? Les mystères et les controverses qui entourent l'histoire d'Amityville ont commencé dans la nuit du 13 novembre 1974, quand 6 membres de la famille de Féo, le père, la mère et 4 enfants, ont été abattus à l'intérieur de cette maison. J'étais assis dans mon bureau qui donne sur le devant de la maison, et mon ami Al Saxon arrive et il me dit « Rufus, j'ai quelque chose à te dire, tu ne vas jamais me croire. Dans la maison d'à côté, ils sont tous morts. » On a vu plusieurs des corps qu'on sortait de la maison. Je regrette de le dire, mais le corps d'un des enfants est tombé de la bâche dans laquelle on le portait. Et j'ai vu l'un des enfants assassiné. C'était affreux. Mais c'était une affaire criminelle sans mystère, en tout cas. C'est ce que je me suis dit à l'époque. C'était une atmosphère vraiment étrange. C'était très calme, glacial, un moment suspendu, du genre qu'on n'oublie jamais. C'est une image qu'on garde dans sa tête pour toujours. On avait là une famille de banlieue soi-disant idyllique, d'origine italienne, des catholiques. La famille avait sa propre affaire, une concession automobile. Et bien sûr, à cause de leur nom italien, il y a eu les inévitables rumeurs sur leurs liens avec le crime organisé. L'hypothèse d'un meurtre lié au banditisme a été rapidement écartée. Et la police s'est tournée vers le seul survivant, Ronald DeFeo Jr., qui avait 23 ans. George Harrison, le chef de la police du comté de Suffolk, est arrivé et il m'a demandé s'il pouvait utiliser ma maison comme quartier général. Tout le monde était terrifié dans le quartier en se disant qu'il y avait un tueur qui rôdait dans la ville. Dès le début, Ronald DeFeo a été soupçonné. Mais au départ, il ne l'avait pas arrêté. Il l'avait embarqué pour le protéger. Ils ont décidé d'utiliser la maison d'à côté, celle de Ireland, pour y installer leur poste de commandement. Ils nous ont tous emmenés là. Et aussitôt, ils l'ont emmené chez moi et ils ont commencé à l'interroger. Ça a duré un moment et puis son grand-père est arrivé. Un policier l'a entendu dire à son petit-fils. Arrête de traîner le nom de la famille dans la boue. Je ne veux plus rien entendre sur ta sœur. Contente-toi d'avouer les crimes. C'est terminé. Je leur ai dit au début les choses qui étaient vraies. Mais vous savez, ils ont fait pression sur moi. Même avant ça,
Les habitants d'Amityville s'étaient déjà fait leur opinion sur le nom du meurtrier. Je me suis promené dans le quartier et j'ai demandé « Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui s'est passé ?» Et tous les gamins m'ont répondu pratiquement comme un seul homme « C'est Ronald qui a fait le coup. » Je roulais en voiture et le journaliste, je crois que c'était Joel Martin, a annoncé les meurtres à la radio. Et il n'a pas dit que Ronald était mort aussi. Alors j'ai dit à ma femme, c'est Ronald qui a fait le coup. Ronald était, disons, un adolescent à problème. Il avait la réputation de se droguer, d'être violent, de se battre avec son père. C'était une tâche. Tout ce qu'il faisait, c'était boire, parier et se battre. Quand on le connaissait ou qu'on connaissait le contexte, si on avait passé un peu de temps avec lui, on se disait que ce n'était pas une chose dont il était incapable. Et quand tous les autres sont morts et pas lui, vous savez... C'était tout un tas de problèmes, vous savez. C'est pas comme si je pouvais rester assis ici et vous mentir. Je pourrais dire que je savais que quelque chose de mauvais allait arriver à ma mère et à mon père. Très peu de temps après, Ronald DeFeo Jr. a été désigné officiellement comme suspect. Il était le meurtrier présumé, il était l'accusé. Après un bref interrogatoire serré, DeFeo a avoué les crimes et il a donné la première de ses nombreuses versions des événements. En gros, l'histoire, c'est que Ronald DeFeo, qui avait 23 ans en 1974, s'est réveillé dans la nuit autour de 3h15. Et pour des raisons inconnues, il a tué tous les membres de sa famille pendant leur sommeil. Il a pris le fusil et il a tiré sur ses parents qui dormaient dans leur lit. Ensuite, il a tué ses deux jeunes frères. Après, il a été dans la chambre adjacente et il a tué sa sœur. Et enfin, il est monté dans la chambre deuxième où il a tué son autre sœur, Dawn. Après ce qui est arrivé, c'était comme un cauchemar. Je suis en train de regarder ma mère et mon père morts, mes sœurs, j'étais terrifié. J'ai couru hors de la maison, sauté dans ma voiture, foncé dans la rue, trouvé mes amis et je suis revenu à la maison. Les aveux de DeFeo n'expliquent pas les nombreux mystères qui entourent les meurtres. Des mystères qui ont nourri les rumeurs de complicité, de complot et même de forces surnaturelles. Ils ont tous été tués avec un Marlin calibre 35. On a fait une expérience pendant la préparation du procès. On a mesuré le niveau sonore du Marlin calibre 35. Ce fusil s'entend jusqu'à 5 pâtés de maison. Personne n'a rien entendu. J'ai retrouvé un voisin, quand même, qui a entendu entre 3h et 3h30 le chien de la famille qui aboyait ou gémissait. Il y a eu au moins 9 coups de feu, 9 coups tirés avec un Marlin. Et rien n'indique qu'aucune des 6 victimes ait fait la moindre tentative pour s'enfuir. Ce qui est vraiment bizarre, c'est comment on peut arriver à tuer 6 personnes au milieu de la nuit dans un quartier tranquille, sans réveiller personne. Un coup de fusil, ça fait du bruit. Ça n'a pas de sens. Ce serait compréhensible si on envisage un autre homme armé qui les tenait en joue, jusqu'à ce que Ronald revienne et fasse ce qu'il a fait. Je me suis dit que les corps avaient peut-être été déplacés. Les rapports d'autopsie montrent que non, ils n'ont pas été déplacés. On les a bien trouvés là où ils avaient été tués. On n'a trouvé aucune trace de drogue dans leur sang. Et encore une fois, les victimes ont été retrouvées sur le ventre, les bras écartés, comme si on les avait disposés là. Il y a quelque chose de systématique, de très méthodique, qui semble indiquer la présence de plus d'une personne. Les curieuses anomalies de la scène du crime ont provoqué de nombreuses spéculations sur l'identité de la personne ou de la chose responsable de ce carnage. Après que Ronald DeFeo eut avoué avoir tué toute sa famille, l'avocat William Weber hérita de la lourde tâche de le défendre. Weber commença son enquête par la vie quotidienne de la famille avant les meurtres. La vie de famille dans la maison DeFeo était du genre bizarre. Inhabituel. D'un côté, ils semblaient très religieux. Il y avait des objets du culte plein la maison, des statues dans le jardin. Mais quand M. DeFeo était à la maison, c'était des bagarres constantes, des disputes, des cris, des hurlements.
Ça dépassait de loin les conflits habituels qu'on peut avoir en famille. Si j'ai bien compris, il y avait des bagarres qui se déclenchaient sans raison particulière. Le père piquait des crises de rage terribles. Et Ronald de Feo en était souvent la victime. Les amis de Ronald avaient peur d'entrer dans la maison parce qu'ils avaient peur de son père. On a un témoignage selon lequel le père a battu sa femme en présence des amis de Ronald. Ce genre de violence conduit souvent à d'autres violences envers ceux qui sont plus faibles et plus soumis. Donc, au-delà de ces belles apparences tranquilles, il y avait des problèmes dans la famille. Beaucoup de gens m'ont parlé des mauvais traitements que son père lui avait infligés dans son enfance. Mais on a aussi des témoignages de l'amour que lui portait sa mère et des relations étroites qu'il avait avec ses frères et l'une de ses sœurs. En résumé, il avait une personnalité difficile, peu ordinaire. On était une famille très unie, vous savez. C'est dommage ce qui est arrivé. Mais c'est arrivé. Ronald de Feo, dès son emprisonnement, a commencé à délirer en racontant que c'était le diable qui lui avait fait faire ça. Un pasteur m'a observé dans la salle du tribunal pendant que je faisais ma déposition. Selon lui, pour parler comme ça, il fallait que je sois possédé par le démon. Je crois qu'il lui manquait une case. Il fallait qu'il soit cinglé pour tuer toute sa famille, ou au moins en train de le devenir. J'ai demandé à un ami et associé, le docteur Daniel Schwartz, de l'examiner. Son avis de professionnel, c'est que Donald a agi dans un état de conscience altéré. Il ne comprenait pas la nature de ses actes. Il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était mal. Je ne me contrôlais pas. Je n'étais pas en contact avec la réalité au moment où j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'avais aucun contrôle. Weber décida de plaider la folie. Quand il procéda à l'interrogatoire de son client pour savoir ce qui s'était passé la nuit des meurtres, Ronald lui décrivit une suite d'événements étranges qui lancèrent les controverses sur la véritable identité du ou des coupables. Ronald avait pris je ne sais quelle drogue. Il regardait un film de guerre à la télévision. À la fin du film, Ronald était seul dans la pièce. Il a dit au départ qu'il pensait avoir entendu des membres de sa famille dans une autre pièce qui complotaient de l'assassiner. Une chose qu'il a dite, et parfois il la disait en ricanant, donc je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais il a dit « Une femme au manoir m'a donné le fusil, et j'y ai été, et j'ai tué tout le monde. » Selon son témoignage original, à un moment donné, un démon au manoir couvert d'une capuche lui a donné l'arme. Et il est monté à l'étage et il a commis le meurtre. Il a dit « le meurtre », pas « les meurtres ». Pendant le procès, un expert a soutenu que De Feo n'avait peut-être pas agi seul. Herman Reiss était criminologue, cité par la défense. Pendant un huis clos, on avait fait sortir le public. Herman Reiss a déclaré au juge et au procureur que certains corps avaient été déplacés, qu'ils n'avaient pas tous été tués là où on les avait trouvés. Il a aussi déclaré qu'il croyait que plusieurs armes avaient servi, et pas juste un fusil de chasse. Bizarrement, bien des années plus tard, le journaliste Rick Moran fut contacté par un agent de la brigade des stupéfiants qui lui apprit que la maison des De Feo était sous surveillance à l'époque des meurtres et qu'il avait vu la sœur de Ronald, Dawn, sortir de la maison. La nuit du meurtre, ce policier a vu Dawn De Feo sortir de la maison avec un fusil. Elle était vêtue d'un sweat à capuche et portait des gants. Il l'a vu jeter le fusil sur le siège arrière de sa voiture et filer en direction de la pointe où se trouve un quai d'embarquement. C'est exactement là qu'on a retrouvé le fusil, mais la police pense que c'était plus tard. Quand Ronald raconte qu'un démon aux mains noires avec une capuche s'est approché de lui et lui a donné l'arme, et qu'il n'a pas bougé, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il n'était pas en état de bouger. Le démon dont il parle, c'était sa propre sœur. La chemise de nuit de Dawn De Feo porte des traces de poudre non brûlées, ce qui indique qu'elle a peut-être tiré avec ce fusil cette nuit-là. La théorie de Moran, c'est que Ronald et sa sœur Dawn avaient comploté l'assassinat de leurs parents. Je pense que la nuit où ils ont décidé de faire ça, Ronald n'était pas en état de le faire, et que Dawn a pris le fusil
et a commis les meurtres. Malheureusement, dans la frénésie de l'action, elle a apparemment décidé qu'elle allait tuer tout le monde. J'ai toujours pensé qu'effectivement, il y avait quelque chose de spécial entre Ronald DeFeo et sa sœur Dawn. Certains disent que c'était incestueux, je ne sais pas, mais il y avait une relation spéciale, un lien particulier. Peut-être le lien du secret. C'est elle qui a été tuée le plus violemment, sa tête a complètement explosé. La théorie, c'est que Dawn DeFeo a tué toute sa famille et que Ronald, de désespoir, a tué Dawn. Il est responsable d'un meurtre, ce qui expliquerait la réaction du grand-père. Prends tout sur ton dos. Parce que c'était le seul survivant et qu'il ne voulait pas que les relations entre les membres de la famille soient exposées davantage ou le nom de la famille salit. Mais en février 1975, Ronald DeFeo fut jugé responsable de ses actes, déclaré coupable de tous les meurtres et condamné à 6 peines de prison à perpétuité. La maison de Feo, au 112 Ocean Avenue, fut mise en vente à un prix très bas, à cause de son histoire sinistre. C'est alors que George et Cathy Lutz, un jeune couple avec 3 enfants, visita les lieux et que débuta un nouveau chapitre dans l'histoire extraordinaire de cette maison. Quand on a déjà visité un certain nombre de maisons, on finit par sentir ce qui vous convient ou pas. On n'avait aucune réticence envers cette maison. Elle répondait si bien à nos besoins qu'on a pensé que c'était pratiquement l'idéal pour nous. Nous avons discuté ensemble, en famille, des événements qui s'étaient déroulés dans la maison, et la conclusion, c'est qu'aucun d'entre nous ne se sentait mal à l'aise à cause de ce passé. Mais nous n'avions pas envisagé la possibilité que quelque chose de résiduel soit encore là. D'après la famille Lutz, des choses troublantes leur sont arrivées dès le début. Harry a essayé de se pendre. Notre chien, un labrador noir, a sauté par-dessus la clôture et sa chaîne était trop courte. Et il s'est retrouvé pendu de l'autre côté. Il s'étouffait. Ça s'est passé 1 heure après notre emménagement. George Lutz raconte ensuite qu'un de ses amis, qui connaissait bien l'histoire de la maison, lui a recommandé de la faire bénir. Le pasteur est venu. Il a béni pièce après pièce. Il est revenu et il nous a dit, à Cathy et moi, de ne pas faire une chambre dans une pièce à l'étage que nous voulions utiliser comme pièce à couture. Il a dit qu'il y sentait quelque chose. Il a reçu une gifle. Il a entendu des voix qui lui disaient de partir. Tout ça, c'était le premier jour, les premières heures. Lutz affirme que dès les premiers jours, il s'est réveillé régulièrement à 3h15. Il se sentait agité, mal à l'aise. Il entendait des bruits bizarres. Coïncidence, c'est l'heure à laquelle on estime que les meurtres ont été commis. J'ai été très malade dans la maison et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai manqué des jours de travail. Mon hygiène personnelle a changé là-bas. Il subissait des changements de caractère. Il se mettait en colère contre ses enfants. Il se disputait avec Cathy. Il n'arrivait pas à se réchauffer. Il était constamment dehors à couper du bois, à faire du feu. Cathy allait de pièce en pièce et elle y ressentait des choses différentes. Elle a été enlacée parce qu'elle pensait être une présence, une femme. Quand elle me l'a dit, elle avait très peur. Ça la perturbait beaucoup. Les Lutz racontèrent que des nuages de mouches infestaient certaines pièces. C'est franchement inhabituel en plein hiver. Ils devenaient aussi de plus en plus inquiets devant l'attitude de leur fille Missy. Missy a commencé à expliquer à Cathy qu'elle avait un ami, qu'il s'appelait Jody, et qu'il se présentait à elle sous la forme d'un gros cochon. Quand Jody lui a dit qu'il était content qu'elle habite ici et qu'elle y resterait pour toujours, ça a été très perturbant. Les Lutz racontent que de plus en plus de choses étranges se passaient autour d'eux. On entendait des cris la nuit et des gens qui marchaient la nuit. Et les enfants disaient des choses bizarres. Et la température variait dans la maison. Et on découvrait des taches sur la moquette le matin. Et la porcelaine des toilettes qui devenait progressivement noire. Quand on y pense et qu'on commence à en parler, il y avait évidemment quelque chose de pas normal.
Ils n'aiment toujours pas parler de ce qui est arrivé la dernière nuit, de ce qui les a finalement poussés à quitter la maison. Je ne serai jamais capable d'oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Et les garçons, l'air qu'ils avaient, et ce qu'ils ont dit quand ils sont descendus ce matin-là. Selon leur déclaration, ils finirent par fuir la maison tôt le matin du 14 janvier 1975. Jamais ils n'y revinrent. Nous n'étions pas la même famille en arrivant et en repartant de là. Nous étions tous terrifiés au moment du départ. Alors qu'on ne connaissait pas la peur en emménageant. Et rien que la peur nous a tous changés. Les Lutz s'installèrent chez la mère de Cathy et George prit des mesures pour faire enquêter sur la maison. J'avais contacté un type qui s'appelait Kaplan, qui s'était présenté comme parapsychologue. Mais j'ai découvert qu'il était vampirologue, ce qui était censé lui donner de la crédibilité, mais pas avec moi. Mon mari lui a dit, « Nos services ne vous coûteront rien, mais nous sommes une organisation de services publics et si on découvre quelque chose qui confirme ce que vous dites, on dira au public ce qu'on a trouvé. Et si on trouve qu'il n'y a rien, on le dira aussi au public. Et si on découvre que vous nous racontez des salades et que c'est une arnaque, on le dira aussi. » 3 jours plus tard, George Lutz rappela Kaplan. Il était très mécontent de ce que mon mari avait dit dans le journal, qu'il mènerait une enquête. Et il lui a dit, « Je vous avais dit que je ne voulais pas de publicité. Vous savez, maintenant, je vais être obligé d'annuler, de repousser votre enquête d'au moins 2 semaines, parce que je ne voulais aucune publicité autour de ça. » Et le lendemain, mon mari a découvert que la veille au matin, Lutz et sa femme avaient fait une conférence de presse. Alors le matin, il donne une conférence de presse et le soir, il nous raconte qu'il annule notre enquête parce qu'il ne veut pas de publicité. Pour couronner le tout, la conférence de presse avait été organisée par William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo. À l'époque, Weber le défendait encore, puisqu'il avait fait appel de la première condamnation. Apparemment, la famille Lutz et lui s'étaient rencontrés juste après qu'ils aient quitté la maison. William Weber avait organisé cette conférence de presse pour Newsday. Et il nous avait dit que Newsday réclamait notre présence. Ça a mis la puce à l'oreille de mon mari. Pourquoi est-ce que William Weber, avocat du tueur en série Ronald DeFeo, représente maintenant ce monsieur Lutz qui a emménagé dans la maison juste après? Et c'est quoi le rapport? J'ai été contacté par un certain Paul Hoffman, qui à l'époque était journaliste pigiste, et qui m'a dit que les Lutz aimeraient me rencontrer. Et je lui ai dit, vous savez, moi aussi j'aimerais les rencontrer. Parce que par ailleurs, on m'avait fait la promesse verbale que nous toucherions une avance importante pour un livre et pour un film. Pendant nos premières rencontres, jamais Weber n'a abordé ce sujet. Il voulait surtout aider son client à obtenir une aide psychologique. En tout cas, c'est ce qu'on nous a amené à croire. Il pensait que ce qui nous était arrivé était un indice de ce qui pouvait très bien l'avoir affecté lui aussi. William Weber prétend que pendant l'un de ses rendez-vous, il leur a révélé des détails clés sur les meurtres, des détails qui prendraient plus tard une importance capitale dans l'histoire des Lutz. Ça a duré de 9 ou 10 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. On a bu du vin et je ne pourrais pas vous dire combien de bouteilles, mais il y en a eu beaucoup. J'avais des photos de la scène du crime et d'après ces photos et d'autres faits que je leur ai racontés, nous avons échafaudé ce qui deviendra plus tard une partie de la version des Lutz sur l'aspect possédé de leur affaire. Les Lutz m'ont fait écouter des enregistrements qu'ils avaient faits avec William Weber. Et en fait, avant de passer la bande, George Lutz m'a fait une remarque préliminaire. Il m'a dit « Je ne suis pas très fier de ça ». Par exemple, je leur montrais des photos de la poudre vert sombre qui recouvrait tout dans la maison. C'est une poudre utilisée par la police pour trouver des empreintes digitales. Et il faisait « Waouh, regardez, c'est la bave visqueuse qui soigne des portes. » J'avais des photos de la chambre de Dawn au 2e étage. Elle était pleine de mouches mortes.
Eh bien, ils ont pris la chambre de Dawn et ils ont mis qu'il y avait tout le temps des nuages de mouches. Ils ont annexé les faits que je leur racontais sur l'affaire et ils les ont intégrés dans leur livre. Je pense que quand ils ont dessoudé le matin suivant, ils ont dû se dire que peut-être tout ça n'était pas bien. Mais sur la bande, William Weber avait déjà... Enfin, il paraît qu'il a dit « Hé, on peut faire des films, des livres, il y aura des droits. » Il parlait déjà pourcentage et contrat. Il avait un projet avancé d'un contrat avec DeFeo pour un livre et un film. Et il nous a envoyé un contrat qui prévoyait de payer DeFeo quelque chose comme 5% de ce qu'on gagnerait. Et donc William Weber était en train d'essayer de rémunérer DeFeo pour ses meurtres. À ce moment-là, on a cessé tout contact avec Weber. Ils ont complètement disparu dans Long Island après ça. L'intérêt pour Amityville a grandi avec l'implication des Lutz. Channel 5, la chaîne de télé de New York, voulait absolument le scoop. J'ai contacté George Lutz et je lui ai dit « Votre famille a besoin d'aide ». On voyait bien qu'ils étaient terrifiés. Laura DiDio a appelé un couple de parapsychologues célèbres dans le Connecticut, Ed et Lorraine Warren. Le genre de travail que nous faisons, c'est d'enquêter sur le paranormal, le supernaturel et le préternaturel. Les phénomènes hantés causés par les esprits humains ou par les activités des esprits frappeurs ou par les fantômes démoniaques non humains. Nous avons travaillé sur de nombreux cas de possession et d'exorcisme et la Warner Brothers a les droits sur notre vie. George Lutz nous a accueillis à la limite de la propriété. Il ne voulait même pas mettre le pied sur le terrain. Il y avait un sentiment horrible de mauvais présage à travers toute la maison. On sentait que la maison était infestée par quelque chose d'autre que par des esprits humains. C'était certain. C'était plus qu'évident. Une chaîne de télé locale rassembla une équipe de médiums et s'apprêta à filmer leur enquête. Ils firent venir des parapsychologues. Ils amenèrent aussi des médiums. Et ils décidèrent de pénétrer dans la maison dans la nuit du 6 mars 1976. Peu après l'arrivée de l'équipe télé et du journaliste Marvin Scott, des choses étranges se passèrent. Rien ne m'est arrivé à moi, mais des trucs arrivaient aux gens autour de moi. C'était incroyable la façon dont les gens étaient affectés. La première chose, c'est le caméraman Steve. Quand il est arrivé sur le palier au deuxième, il s'est plié en deux en se tenant la poitrine. Il avait des douleurs intenses à la poitrine. L'impression dominante, c'était très triste. Je ressentais la présence d'un adolescent qui avait fait quelque chose qui avait entièrement changé sa vie et qu'il avait commis une action horrible. Quand on est monté à l'étage, évidemment, les médiums ont ressenti les échos, les mauvaises vibrations. 6 personnes ont été assassinées là, vous savez, il y a à peine 2 ans. Il y avait une fenêtre au-dessus de moi. Et j'ai vu le visage d'une fillette qui me regardait. Ensuite, j'ai entendu des pleurs, des plaintes. Alors je lui ai dit, regarde la lumière blanche, marche vers elle, tous ceux qui t'aiment t'attendent. Pendant la séance, Lorraine a dit qu'elle ressentait la présence d'un démon qui venait des profondeurs de la terre. Il n'y avait pas que les esprits assassinés des membres de la famille DeFeo. Je percevais des corps alignés, tous recouverts de draps blancs. J'ai eu l'impression de silhouettes couvertes de capuches, comme des moines, juste derrière la porte, bloquant le seuil et qui me fixaient. J'ai pensé « Oh, oh ». Je monte tout en haut, j'entre dans la chambre et Marvin Scott me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui ai répondu « J'espère que je n'approcherai jamais plus que ça de l'enfer ». Alors j'ai pris de l'eau bénite, j'ai ouvert la bouteille et j'ai dit « En arrière, Satan !» Et j'ai aspergé comme ça. Et ça a disparu, comme de l'eau sur une plaque chauffée. Et alors, tout s'est arrêté dans la maison.
À la fin de la séance, on est redescendu au rez-de-chaussée. À ce moment-là, Ed tenait son crucifix et il précédait Lorraine dans l'escalier. Il s'est arrêté net, presque comme s'il avait été jeté en arrière par une bourrasque de vent. Et plus tard, il a décrit ça comme s'il avait été assailli, je crois, par une légion de démons. C'est comme un puissant jet d'eau sur ma poitrine qui m'empêche d'avancer. Une fois de plus, en tant que journaliste, je dois reconnaître que je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Rien d'autre que les réactions d'Ed, de Lorraine, des autres médiums et des gens autour de moi. Je me souviens à 2h du matin de Marvin Scott qui se tourne vers moi et me dit « On ne l'a pas ». En d'autres termes, ce n'était pas l'exorciste pour la télévision. Alors qu'il ne se passa rien devant les caméras de télévision, une photo prise cette nuit-là allait révéler une mystérieuse présence. L'appareil avait été fixé sur un trépied. Il prenait des photos au flash automatiquement, à intervalles réguliers. Et il y avait des dizaines et des dizaines de photos de cette porte qui conduisait à la chambre de notre fille Missy. Des années plus tard, une de mes secrétaires classait ces photos et elle était enceinte. Et chaque fois qu'elle regardait cette photo, le bébé faisait des bonds dans son ventre. Et hop, voilà qu'on distingue clairement dans l'encadrement de la porte, sur le palier au deuxième, le visage d'un petit garçon qui jette un coup d'œil depuis la porte. Il n'y avait pas d'enfant cette nuit-là dans la maison. Alors, d'où est-ce qu'il vient ? On a appelé Missy et on lui a demandé qui c'était. Et elle a dit « Oh, c'est le garçon avec qui je jouais là-bas ». C'était la première fois qu'on en entendait parler. Les Lutz ne revinrent jamais au 112 Ocean Avenue. La banque récupéra la propriété et leurs meubles furent vendus aux enchères. George et Cathy partirent s'installer en Californie en affirmant qu'ils devaient échapper à l'influence de la maison et au déluge de publicité qui suivit la médiatisation de leur histoire. Amityville devient un phénomène. Et il est partout. On en parle à la télé, on en parle à Long Island. C'est sur les lèvres de tout le monde. Avez-vous entendu parler de cette affaire ? C'est la somme de toutes les horreurs qui se passent dans le paranormal. Tout est regroupé en une seule affaire. Les médiums sont sortis du bois. Les exorcistes, les parapsychologues, les vampirologues. Ils ont tous débarqué avec chacun sa théorie. Ils prétendaient tous savoir exactement ce qui s'était passé. Parmi ceux qui se joignirent à la fête, il y avait le professeur Hans Holzer, le plus célèbre chasseur de fantômes des États-Unis. J'aime particulièrement cette image qui montre clairement la silhouette blanche d'un cheval en surimpression sur moi. Il se trouve que l'entité qui était perturbée dans la maison était un chef indien à cheval. Hans Holzer m'a été présenté comme un homme qui avait écrit 50 livres dans le domaine des médiums. Les esprits frappeurs, les fantômes de la Maison Blanche, des fantômes dans chaque maison qu'il a visité. Le 13 janvier 1977, Holzer, William Weber et Laura Didio pénétrèrent dans la maison en compagnie d'Ethel Johnson Meyers, une médium célèbre pour ses transes profondes. Tout ce qu'il me faut, c'est un bon médium capable de transes profondes. Comme ça, s'il y a la moindre entité, elle peut utiliser les cordes vocales du médium pour discuter avec moi. C'était vraiment étrange et très choquant de voir la transformation physique que subit cette femme. Dès qu'elle est sortie de la voiture, avant même d'entrer dans la maison, elle a dit « Il y a un Indien là-dedans ». D'un seul coup, une pomme d'Adam lui a poussé. Après un moment, cette femme a commencé à parler dans un drôle de charabia. Sa voix s'est abaissée de plusieurs octaves. Et elle parlait avec un chef indien qui était enterré sur ce terrain. Because it's been a sacred place, and this is over the very, very special chief. Oh, I can't move my face. On a découvert que c'était un cimetière indien et que le quartier avait été construit dessus, à la grande fureur de l'Indien qui était enterré là. And what does he make them do? Violence of death. I don't know, my skull's cracked and my neck's stretched.
What will the male do under those circumstances? Anything the Indian desires him to do. Bien que l'on ait raconté que c'était la maison la plus hantée d'Amérique, ce n'est pas vraiment une maison hantée. Il n'y avait pas de fantômes là, il n'y avait pas d'esprit, sauf celui du chef indien. Et tout ce qu'il voulait, de son point de vue, c'était « partez de mon terrain ». Alors que les théories se multipliaient sur la maison, Amityville allait devenir un phénomène de l'édition. Soudain, il y a un livre. Et quelle qu'en soit la raison, le livre a eu un succès immédiat. C'est devenu aussitôt un best-seller. Le premier tirage était de 25 000 exemplaires. Et ils n'avaient jamais lancé un aussi gros tirage, même de loin, pour une première édition. À peine arrivé chez les libraires, ce livre a été épuisé. C'était phénoménal. Il était clair que cette histoire de maison hantée avait le pouvoir de captiver des millions de lecteurs. L'idée que c'est réellement arrivé à des gens rend ces gens plus proches. Parce que si ce n'est pas une œuvre d'imagination, alors c'est vrai. Et ça pourrait aussi leur arriver. Une maison, c'est censé être un endroit où on est en sécurité. Et l'horreur d'Amityville détruit cette tranquillité. C'est arrivé juste après le livre de William Peter Blatty, L'Exorciste. Et le film L'Exorciste est sorti autour de 1973-74. On dirait qu'il y a un désir, une insatisfaction, peut-être une question spirituelle qui domine tout ça, le bien contre le mal. Même les gens qui disaient être agnostiques ou athées après avoir vu le film, ils dormaient avec la lumière allumée, ils s'agrippaient à des crucifix et ils retournaient à l'église. C'était le climat dans lequel Amityville pouvait s'épanouir. La maison elle-même était devenue un personnage, grâce en particulier à ses deux fenêtres à l'étage. Tout le monde disait « Qu'est-ce que vous pensez de ces deux yeux ? Deux yeux qui vous observent ? » J'ai beaucoup entendu ça. C'est devenu les yeux de la maison. Et si vous les regardez, vous vous dites « cette maison est en train de me regarder ». Et ça lui a donné cette personnalité maléfique. Quelque chose observe, quelque chose est caché, quelque chose observe. L'histoire des Lutz prit un nouveau tournant quand elle subit le traitement hollywoodien. À Amityville, l'effet fut immédiat et redoutable. Quand tous ces livres ont été publiés et que le film est sorti, c'est devenu l'enfer. Ça a été l'affolement chez les médias. Tous ces gens se sont abattus sur Amityville. Des gens venus d'Irlande, venus d'Angleterre, des gens venus de partout en Europe. Ils étaient envahis non pas par des fantômes, ni par des démons, mais par les touristes. Sous la grêle ou dans la tempête, il y avait parfois plus de 50 personnes qui se tenaient par la main et qui regardaient la maison, comme si c'était une religion. Sur Ocean Avenue, les pelouses des habitants étaient envahies par les voitures des badauds qui essayaient de s'approcher de la maison de l'horreur. J'avais des dizaines de gens venus en bus qui pique-niquaient dans ma cour. Des nonnes venues de Suède. Elles s'étaient coincées dans mon allée. Et je ne sais même pas comment elles étaient arrivées là. Les gens couraient et essayaient d'emporter des morceaux de la maison, des bouts de pelouse, des plaquages de bois. Une femme a frappé un flic sur la tête avec un livre si fort qu'elle l'a à moitié assommé. N'importe quoi pour jeter un coup d'œil par les fenêtres. C'était très ennuyeux. Ça a duré et duré et duré. Mais si les milliers de visiteurs semblaient convaincus par l'histoire d'Amityville, un nombre croissant de lecteurs soupçonnait une arnaque. J. Hansen écrit ce gros bouquin. L'horreur d'Amityville, une histoire vraie. Et je trouvais que ça ne sentait pas bon. Dans les articles publiés au départ, ils ont dit qu'ils n'avaient vu aucune forme humaine et seulement qu'ils avaient entendu des bruits bizarres, des chocs, des coups sur les tuyaux, des trucs comme ça. Ils ont fait l'expérience de ce qui apparaît comme des phénomènes paranormaux assez banals. Pas de lévitation. Pas de fenêtres brisées, pas de portes sorties de l'orgon par des forces invisibles. Et à la sortie du livre, ils en étaient arrivés à la bave visqueuse verte, au fanfare et à Jody le cochon démoniaque. On a dénombré 106 erreurs évidentes, des erreurs matérielles dans le livre. Et ça, c'est avant même d'arriver au cochon volant. Missy, l'un des enfants Lutz, avait fait un dessin de Jody le cochon démoniaque, dont elle disait qu'il lui apparaissait à la fenêtre du deuxième étage avec ses yeux rouges qui la fixaient. Alors j'ai été questionner les voisins et l'un d'eux a dit « Oh, à quoi il ressemble ?» Et on lui a montré le dessin dans le livre et ils ont dit « Oh, ça, c'est le chat que Ronald DeFeo appelait le cochon tellement il était gros. »
En fait, le cochon, c'était le chat de ma femme. C'était un persan, j'en suis sûr. Ce chat sautait sur l'appui de la fenêtre et s'installait là, et regardait avec ses yeux rouges phosphorescents. Mais alors, les fameuses mouches. Mais enfin, il y a eu les meurtres, les victimes sont restées là 48 heures, la maison a été mise sous scellé et le chauffage marchait. Pas besoin d'être un génie pour comprendre comment il finit par y avoir des mouches. Pour les besoins de leur enquête, Jordan et Moran ont interviewé Jim et Barbara Cromarty, qui ont acheté la maison après le départ des Lutz. On leur a demandé s'ils avaient fait des grosses réparations en arrivant dans la maison. Parce que quand on lit le livre, on a l'impression que cette tornade paranormale qui se déchaîne dans la maison la laisse en ruine. Ils nous ont répondu que non. Tout était parfaitement en état quand ils l'ont visité avant de l'acheter. Mon mari a participé à un débat à la télé avec George Lutz, et ce dernier a essayé de raconter qu'une fenêtre de la maison s'était rabattue sur la main de son fils et qu'il l'avait emmené à l'hôpital de Brunswick pour le faire soigner. Alors mon mari a dit « Parfait, on va faire citer les rapports de l'hôpital de Brunswick et là vous pourrez le prouver ». Et là il a dit « Je ne l'ai pas vraiment emmené à l'hôpital, on lui a fait un pansement à la maison ». Son histoire changeait quand on essayait de le coincer. Je me souviens qu'il y avait une fenêtre dans une pièce au deuxième étage. Et il prétendait que si on était au milieu de la pièce, la fenêtre s'ouvrait et se refermait brutalement toute seule. Donc on a été dans cette pièce, Rick et moi. Et Rick a remarqué que le plancher avait l'air inégal. Et il a commencé à appuyer du pied sur le plancher. Et soudain, la fenêtre s'est ouverte. J'ai cru que j'allais bondir hors de mes chaussures. J'ai hurlé. Les contrepoids étaient mal installés et la fenêtre était déréglée, de telle manière qu'on pouvait parfaitement l'ouvrir et ensuite la refermer du milieu de la pièce. Il y a beaucoup de confusion autour de ça. Je ne sais pas si ça sera jamais éclairci. Parlant du mal, le mal, c'est l'absence de Dieu. Et donc, la confusion en fait partie. Les sceptiques ont rassemblé leurs preuves et les croyants se sont préparés à la bataille. Mais où est la vérité dans l'horreur d'Amityville? 2 ans après avoir quitté leur maison en prétendant qu'ils en avaient été chassés par des forces surnaturelles, les Lutz virent leur histoire publiée sous le titre « L'horreur d'Amityville, une histoire vraie ». Ce fut un best-seller instantané et l'auteur Jay Hanson se retrouva au cœur d'une furieuse controverse. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait écrire un livre, écrire sur la jaquette une histoire vraie, et ensuite inventer 90% de son contenu. J'en ai parlé à Jay, et je lui ai dit, Jay, tu crois à cette histoire? Et il m'a dit, je suis un écrivain, c'est ce que je fais, j'écris, c'est tout. Tu sais, que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas à moi d'en décider. Évidemment qu'il a pris des libertés. Nous ne soutenons pas cet aspect de l'horreur d'Amityville. Peter Jordan et Rick Morgan mirent Jay Hanson devant les preuves que son livre n'était pas une histoire vraie, mais une œuvre de fiction. Il m'a dit, vous niez tout. Vous êtes un sceptique qui aime écrire des histoires de non-fantômes. Moi, j'aime gagner de l'argent. Jay m'a dit, je suis un écrivain. Et tout ce qui m'intéresse, c'est d'écrire un best-seller pour me construire une villa à Majorque et ne plus jamais avoir besoin d'écrire. Et il m'a dit, je vous prédis qu'un jour vous serez assis ici, fauché, en train d'écrire vos petites histoires de non-fantômes. Et moi je serai dans une île aux Bahamas ou ailleurs avec un wagon de pulls en cachemire. Et je me souviens avoir pensé que c'était tellement cocasse et j'ai gloussé. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Et j'ai dit que c'était le fantasme le plus ridicule qu'un millionnaire puisse avoir. Et après ça, un jour que je rentrais en voiture à Long Island, j'ai entendu à la radio que Jay Hanson, l'auteur de l'horreur d'Amityville, avait eu une crise cardiaque. Et je me suis dit, oh non, il ne pourra jamais profiter de son wagon de pull en cachemire. Hanson a gagné des millions avec Amityville. En comparaison, on dit que les Lutz n'ont touché que 250 000 dollars. Malgré tout, George soutient l'auteur et son livre, mais il est plus réservé à propos des films.
C'était un travail très difficile pour lui d'expliquer une chose à laquelle il ne croyait pas ou qu'il ne comprenait pas. Et il est parvenu à faire un livre très exact, très précis, comparé à tout ce qui a été fait depuis. Le film original a pris beaucoup de liberté, avec le sang qui coulait des murs et les mouches qui attaquent le pasteur. Ils auraient pu aussi bien les représenter comme elles étaient dans la réalité. Ça m'était égal que ce soit ou pas une histoire vraie, mais ça n'avait pas d'importance pour moi. Il fallait que je crée ma propre réalité. Pendant 25 ans, 28 ans, peu importe, j'ai eu un gros problème avec le premier film. Et maintenant, c'est presque un documentaire comparé à ce qu'ils ont fait récemment. George Lutz détestait tellement les derniers films qu'il a intenté un procès à la MGM. Ce fut la dernière de ses nombreuses actions légales pour protéger sa version des faits. Il est mort paradoxalement le jour où l'affaire a été réglée, à peine un an après la mort prématurée de sa femme Cathy, en 2005. Elle et moi avons vécu cette expérience ensemble, et on est passé à autre chose ensemble. On a essayé de l'expliquer au monde, ensemble, si vous voulez. Sa disparition signifie que j'ai perdu celle qui a partagé cette expérience avec moi. Cela ne donne pas le droit à qui que ce soit de créer une version révisionniste de ce qu'elle avait à dire de son vivant. Mais il y a des gens qui croient que les disparitions de George et Cathy Lutz sont les exemples les plus récents de l'influence maléfique de la maison d'Amityville. Une des choses qui lui sont arrivées dans cette maison, c'est qu'elle s'est regardée dans un miroir et qu'elle a vu cette vieille, vieille femme dans le reflet. Elle est morte à Phoenix, d'une maladie respiratoire qui l'a fait vieillir de 30 ans. Et quand elle est morte, elle avait l'air très, très vieille. Ça a touché Ronald DeFeo d'une certaine manière. Ça a touché les Lutz d'une autre manière. Ça touche tous ceux qui entrent dans cette maison. Beaucoup de choses se sont passées dans cette affaire. Et ces morts inhabituelles, il faut les attribuer à des coïncidences. Et rien d'autre. Les gens veulent croire à quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a un paradis, il y a un enfer, il y a des prières exaucées, il y a des esprits, il y a des fantômes. On veut croire à ce genre de phénomène. On en éprouve le besoin. Et sur ce besoin se greffe le facteur crédulité. Franchement, quand quelqu'un dit « Oh, c'est une histoire vraie », c'est l'événement le plus documenté de ce genre. En termes du nombre de gens impliqués, de témoins directs, de ceux qui ont maintenu leur témoignage sans rien y changer pendant toutes ces années. Si je crois qu'ils sont restés dans cette maison pendant 28 jours, non. Catégoriquement, sans aucun doute, non. Je pense qu'ils avaient planifié toute l'affaire et qu'ils avaient l'intention d'en tirer un livre et gagner beaucoup d'argent. Et vous savez quoi? C'est ce qu'ils ont fait. Quand une histoire est trop belle pour être vraie, et c'en est un exemple parfait, probablement l'exemple le plus monumental de succès que j'ai jamais rencontré et que je ne rencontrerai jamais de toute ma vie. Je ne crois pas que je verrai un autre Amityville. En tout cas, je n'espère pas. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vécu cette expérience. Et pourtant, ils voudraient vous l'expliquer à vous. Et ça ne rend service à personne. À moins qu'on attrape l'esprit, qu'il se montre et qu'il nous explique pour la caméra, et je doute que ça arrivera, on ne saura jamais. Et on continuera à poursuivre cette chose qui nous échappe, quelle qu'elle soit. L'occupant actuel de la maison ne croit à rien de tout ça. Croire ou ne pas croire, ça n'a rien à voir avec les événements. Je ne lui souhaite que du bonheur. J'espère que des incendies spontanés ne perturberont pas son sommeil ou une autre de ses activités. Et j'attends les gros titres, si ou plutôt quand ça arrivera.